Bonsoir, je suis Bob Lennon, le cardinal métal, et je me prépare psychologiquement pour le Murder Brawl avec Fanta. Bonsoir Fanta. Salut Bob, j'espère que tu es prêt pour ton match de catch. Ceux qui n'ont pas vu comment on s'est tapé l'incruste dans la WWA, c'est WWE, mais pourquoi pas? On s'en fout. Moi, WWE, quand j'étais petit, c'était d'abord un symbole pour la protection des animaux, tout ça. Puis un jour, j'ai vu deux pandas qui se tapaient dessus avec des chaises pliables dans un ring. Donc je me suis dit, oh, WWE! Ou WWF, ouais, voilà, c'était ça quand j'étais petit. Oh mon dieu. C'était World Wrestling Fighting, c'était complètement débile. Alors attends, aujourd'hui, on était parti pour acheter des améliorations, chers amis. Hein. J'avais déjà acheté une ou deux capacités. Aide d'objets ramassés, non merci. Notoriété police, étoile du matin ou luchadores. Je vais acheter ça. Non, attends, on s'en fout en fait. Santé, j'ai déjà tout presque à fond. Les dégâts, je prends tout sauf les dégâts de level 4 parce que ça me rend invulnérable et il faut pas. C'est pas bien. Et tu ne seras jamais jeté à terre par des explosions. Je ne le prends pas, j'aime bien être projeté par les grenades perdues de Fanta. Oui, c'est le truc que... Alors, par contre, munitions, grenades, je prends. Munitions, fusil à pompe, je m'en fous. Munitions, fusil, je prends. Munitions, fusil. Jamais prendre le niveau 4 parce que ça donne de l'illimité. Et l'illimité, ça n'est pas drôle. Donc... grenade, mitraillette, spéciale, peut-être de la mitraillette en plus. On sait jamais, écoute, hein, puis après tout, je peux me le payer. Je vois pas pourquoi je m'en priverai, chers amis. Voilà. Véhicule. Wait, what? Véhicule de gainquette, non, c'est bon. Gang, arme fusil. Notre gang est maintenant équipé de fusil. Ça aide. Annulation de notoriété de la police. J'achète. J'ai fait venir une bagnole, mais il me la livre pas. J'achète. Tu t'es fait guaquer. Tous les disciples plus de santé. Mais t'es pas un point de départ? Genre une maison? Ah si, je la voyais pas, elle était sous mes yeux. Pourtant, quand tu vas. Sérieux, ne lance rien. Il faut à tout prix que tu le vois et tu vas me dire, mais comment t'as pu rater ça, quoi? D'accord. Alors attends, hop. Pop, VTOL. J'ai acheté la capacité pour me faire livrer un vertical tactical. Bullshit landing, je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est pas important. Je regarde pour les trucs. Contrôle de la ville, si je l'achète, ça valide automatiquement les missions d'un quartier. Je vais pas l'acheter. Échange fric contre respect, paye en cash pour obtenir 4000 points de respect. Je veux bien. Bam, level up. 8000 points de respect, 24000, je veux bien. Bam, level up. 12000 points de respect, je veux bien. Sur la carte, t'es loin. Bam, level up. Pardon, excusez-moi. Oui, je suis assez loin sur la carte, mais pas de panique. Voilà, limite virement, plan d'armes, blablabla, parfait. Et activité, tout ça est enfin débloqué. Eh bien écoutez, chers amis, je suis peut-être dans le méga ring du Murder Brawl, cependant, je m'en vais rejoindre Fanta, afin de vous montrer ce qu'il voulait me montrer. À tout de suite. Chers amis, nous sommes de retour hein, pour vous jouer un mauvais tour, et là, il y a une opération gang Fanta, je sais pas si tu la vois sur ta map. Non, pas du tout. Eh ben, tu vas la voir. Ah oui, t'es vraiment pas loin. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, je suis à bord d'un avion de combat et Fanta... Oh mon dieu! Fanta, le tank! Le tank virtuel! Le tank de tronc! Vas-y, tire-leur dessus, Fanta. J'essaye. Voilà, c'est bon. Ouvrage de parachute. Bon, il a fallu que je sorte parce que c'était système. T'as vu, ça tire des petits cubes. C'est le tank Minecraft, quoi. What the flaming fast. Ah, il en reste un. Ah, il en reste un. Ça dit opération gang terminée. Bien. Encore une opération gang de réussie. Encore une victoire de Fanta. Je peux monter à bord? Oui, bien sûr. Attends, doucement. Ah, apparemment, non. Attends, je vais juste monter dessus. Hop. Je C'est vrai, j'ai le droit. Tu me le prêtes? Ibi, il me prête. Ibi. Oula. C'est énorme. Ça marche très très bien. Laisse-moi juste une voiture, sinon j'arriverai pas dessus. Bon. Suffit, c'est pas tout ça, mais mission, chers amis, mission. Ouais. Allez, on écoute.
On écoute. Listen, you can't fight Kilbane. The fuck are you talking about? This is about honor. My honor. Fuck your honor. Kilbane needs to be taken down. And you think you're the one to do it? You don't know a wrist lock from a padlock. I think that's a little harsh. Trust me, I can do this. It's that important to you? Nothing is more important. Then I guess we have to make it happen. Go to the Three Count Casino then. Together, we can right a wrong. Ok, bah on y est, Fanta. Ok, valide. On est juste en face du Three Count Casino. Je sais, j'y cours. Yeah, voilà. Ok, donc on va aider Angel de la Muerte, à vaincre Kilbane. Angel qui porte son slip par-dessus son pantalon, ça ne rigole pas. Ah oui. Can't steal it back. I need to earn it. All right, how do we do that? We hurt a lot of people. Ok. Il a l'air content quand il dit ça. Oui, parce qu'il faut lui rendre son masque. C'est son honneur perdu. C'est littéralement sa bite. Like who? This is close enough. Whatever you say, mate. Better get to destroying these machines. Fulier. Eh, on peut déglinguer les machines à souffle en taille du pognon dedans. Pas vrai. Si. Ah. Oh yeah. Bon, en même temps, c'est du petit argent, hein. On récupérera rien, mais. Moi, je trouve ça drôle. Pipi. Moi, je prends. Et rigole pas, mais moi, ça me fait penser à Fallout New Vegas. Oh, putain. Tout à fait. Fusil laser. On a tué assez de gens ou détruire les emplacements. Mon Fanta, il faut qu'on pète justement les machines à sous. Ah d'accord. Allez, refroidir. This mask is no longer Kilbane's. Ok, j'ai juste l'appareil qu'il faut pour péter les machines à sous. C'est quoi, c'est le sniper? Les grenades à proton. Et je réponds aux commentaires de quelqu'un qui m'avait dit sur les commentaires YouTube: Damit Bob, tout ce qui est bleu fluo n'est pas forcément un proton. Voilà. Ce à quoi je répondrai: si, c'est un proton. Sinon, ce serait pas bleu fluo. Oh, Casta répondra ça. Le mec, tu sais. La colère du Lennon. C'est ça. En même temps, c'est pas vraiment de sa faute. Ah, on a trop. Il en reste plus qu'un. De toute façon, ils l'ont dit dans Far Cry Blood Dragon, ceci est un arc avec des néons bleus dessus. Donc c'est un arc du futur. Where is Kilbane keeping my mask? Okay. Jeez, it's gotta be in the vault, behind the telecages. Ok, brise-lui la nuque. Non. Oui. C'est bon aussi. Meeting the saints. Ah, oh, c'est beau. Fuck la télé. Par la Fanta, tu suis? J'essaye. J'ai l'impression que j'ai pas trouvé le bon chemin. Ah, il y avait une porte. Là. Putain. Là, mon Fanfan, là. Voilà. Hop là. On a retrouvé Fanfan, c'est bon. Ouh. Pourquoi le coffre est déjà ouvert? Je me souviens plus de cette phase de jeu. Ça doit être un guet-apens. Here it is. Is this the real thing? I know every curve, every color, every mark on this mask. Then put that thing on and let's go. Ah, c'est marrant, on t'entend, Fanta, dans cette cinématique. Ouais, moi aussi, je t'entends en double. Oh yeah! Angel de la Muerte est de retour et son masque est moche, mais on s'en fout. It's time to send Kilbane a message. Start with those statues. Fine with me. Ok, on pète les statues de Kilbane. Bouge. Une statue. Ok, Fanta, on se sépare. Bah, j'aimerais.
Bah, j'aimerais trouver ce qu'il faut. Ah putain, il y en avait. Je monte à l'étage. Je monte à l'étage. Occupe-toi des carrés, pas des triangles. Ah, tu es déjà à l'étage, ok. Bon, écoute, je fais tout ce que je peux. Vas-y. Fais donc. Après tout, je peux pas t'en vouloir. Putain, on se croirait dans un Buffalo Grill quand même, hein. C'est moi ou T'as pas l'impression d'être dans un Buffalo Grill, Fanta? J'ai pas l'habitude des Buffalo Grill. Ah ouais. C'est peut-être moi qui fais moins riche. Ouais, enfin, c'est pas le Hilton. Oh non, mais en même temps, au Buffalo Grill, je suis peut-être allé 4-5 fois dans ma vie. Une fois, c'était avec un. Ouais, avec toi. Oui, exact. Tout à fait. Une fois en convention, une fois en repas d'entreprise, à l'époque où je bossais dans une boîte. Et peut-être deux fois avec mes parents pour mon anniversaire quand j'étais petit. Putain, je me souviens avoir mangé tellement de viande. Good to be back in action. Enfin. Oh putain, il y a un Oleg à tuer. Easy. J'aime bien les bruits qu'ils font les machines à sous. Ok, je m'en occupe. Bon voilà, tu le tiens. Ah, c'est toi. Non, bah il est mort. Bah il est mort. Voilà qui lui apprendra le respect. Encore! Un autre Oleg! Ah. Réfléchis, Bob, réfléchis. Eh bon! Oh! Tu l'as fait un peu partir dans les flammes celui-là! Bordel, c'est moi ou les 4 statues elles sont à l'étage en dessous? On va peut-être en finir avec cette mission! Oh! C'est pas des statues, ce sont des adversaires, je n'ai rien dit. Ça. Oh mon dieu, je me suis fait mal là. Je me suis fait mal. Oh putain, il a failli m'écraser la tronche. Faut que je me casse. Trop lent, mon ami Olaf. Ah, c'est Olaf? Non, Oleg. C'est Oleg. C'était une feinte! Plongeon du Lennon! Ça marche pas très bien! Ok, stratégie numéro 2, bombe à prout! Ça marche! La bombe à prout a fonctionné! J'en ai marre d'être en feu, bordel de merde! Bon, on a réussi. Enfin, et Delta. Bon, lui a bien appris le respect. Oh, et donc maintenant qu'on a récupéré le max de l'autre, le masque de l'autre, il va pouvoir l'affronter. Exactement, donc on va sans doute l'assister en tag team handicap match 3 contre 1, ça sera épique. On a récupéré le casino. Bastion est... la lumière parce qu'il est 6h du soir, tu sais, et 6h c'est la nuit. Ce bastion est à nous. Ce bastion est à nous, Fanta, on peut aller dans le casino et même que c'est à nous et que ça ressemble à tous les autres habitations qu'on a jusque là. Non, en fait non, c'est assez différent, je t'invite à rentrer. On peut l'améliorer en tout cas. Personnalisation de bastion, voyons voir. Ouais, carrément, regarde-moi ce casino. Fanta ? Ouais, j'y suis. Est-ce que tu veux faire un truc complètement épique ? Regarde, j'améliore le casino déjà. Hop. Voilà. Prends un avion et monte tout en haut. Enfin, prends un avion et regarde bien le bâtiment. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Et tu veux... On aurait pu faire l'inverse, mais bon. Ah bah non, vu que tu peux pas l'améliorer, toi. Oppressor, vulture. Eux ils le verront de toute façon, j'aurai la super cinématique. Ok. Tu le dis dès que t'es prêt. Je suis prêt, je me mets un peu sur le côté parce que je m'attends à le voir grandir à la vitesse de la lumière. Non, non, les catcheurs. Oh oui, ça y est. Ils sont musculeux. Ok. Ok. Personnalisation de bastion, t'es prêt? Attention. Ouais. Brr, brr, brr. En fait, c'est les champignons de Mario. Brr, brr, brr. Faudrait le petit effet sonore. Oh comme mon ça. Dieu. Boum! Ah ouais. Carrément. Boum! Et là! Il est où le tapas de couilles? Il est où le tapas de couilles? Attends, je vais te chercher sur le toit si tu veux. Attends, j'arrive, je suis pas encore sur le toit. Il faut que j'aille sur le toit. Comment je fais pour aller sur le toit? Helipad, c'est là. Bidou. Ok, helipad. Oh, un Apache! Mais bon ça. Attends, descends. Allez, et... Monte et on va faire un tapas de couilles. D'accord, pas de tapas de couilles. Bah je peux pas. Oh si, c'est bon, je suis à bord. Vautour.
Je peux tirer. Ok, la Gatling. Faire un peu ce bâtiment. Putain, qu'est-ce qui rend bien. Ça fait plaisir. Après ça, tu penses qu'on a le temps de se lancer dans une mission ou Un petit truc alors. Un petit truc. Un professeur Genki. Ouais, nickel. Il est à l'autre bout de la ville, mais c'est pas très grave. C'est le dernier. Indique-le-moi. C'est le dernier professeur Genki ever. D'accord, d'accord. Putain, tu te rends compte, ça passe vite, hein, Bob. On est presque à l'épisode 50. C'est dingue, hein. On a presque fini. Regarde, on a plein de bâtiments avec des rayons laser qui tirent vers le haut. Quand ça tire des rayons violets, c'est-à-dire que c'est chez nous. Comme dans des cubes, ouais. Ouais, 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 putain, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Placement de produit. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, j'ai toujours aimé, moi, les rayons qui partent vers le haut dans les villes. Ouais, t'as vu, on voit le nuage vert au-dessus des zombies. Quel des zombies. Ouais, je la cherche. C'est sous nous. Il y a des nuages verts de partout. T'es sûr? Il y a des voitures qui roulent et tout. Ah bah, il y a des nuages verts. Là, si on descend, il y a du zombie. Hein. Allez, on a qu'à faire un tapas de couilles ici. Ouais, c'est pas con. C'est pas con. T'es sûr que c'est là, les zombards? J'aurais dit que c'était moi, petite, plein de nuages. J'ai un plein de nuages verts, moi. Ici. Ok, bah... On essaie d'atterrir sur... On s'en fout, on saute. Si, regarde, c'est tout est en feu. Ah ouais. Oui, avec l'avion qui s'est scratché, t'as complètement raison. Il y a des voitures qui roulent, mais on sait pas pourquoi en fait. C'est juste pour donner l'impression que c'est une ville normale, alors qu'en fait c'est du grand, okay, grand port Nawak. Putain, regarde sur la gauche par contre, si t'arrives t'as à le voir là. T'as marqué sur la carte. Oui, j'ai marqué, c'est tout droit. C'est tout droit, t'es vraiment dans la bonne direction. Par contre, sur notre gauche, regardez-moi cette centrale nucléaire du grand n'importe quoi. Putain, si Homer Simpson il pouvait bosser là-dedans. Ça peut pas aller plus vite ça? Ça va déjà à grande vitesse, j'ai envie de dire. C'est un hélicoptère, c'est juste que. Eh, l'immeuble le plus grand, c'est celui-là, là. C'est celui du Belge qu'on a piqué. Tu vois, on a bien fait de pas le détruire. Il aurait été à moitié cassé. Et on aurait pu descendre en base jump jusqu'au point de rendez-vous, d'accord? Oh, en tapas de couilles. Ouais, ouais, mais ça, on accélère, on essaye d'arriver le premier. Le premier sans mourir, avec toujours le principe du tapas de couilles. Vendu, ça va l'air propre. Tire des missiles dans le bâtiment, je vois. Ah, je peux pas. Y'a que toi qui peux tirer. Ah ouais? Comme je t'envoie des météores de Pégase n'importe comment, tu sais. Ok, je monte sur l'hélipad. Ok, on y est. Pas sur l'hélipad, au bord du bâtiment, sinon on pourra pas sauter. On va avoir plein de trucs à franchir à pied, ça va être lourd. Ok, on saute, moi je saute. Ah. Ok, bah on est plutôt bien là. Nickel. Ok, bah je t'attends. Bah du coup, ouais, on va terminer l'épisode là-dessus éventuellement, ou alors on fait le Genki, c'est au choix. Bah écoute, on se rapproche, je crois que c'est un peu tôt pour finir l'épisode. Ah bah on fera le Genki alors. C'est peut-être un peu trop long pour faire le Genki, enfin on s'en fout. Allez, attends. Est-ce que tu vois où se trouve le Genki? Moi j'ai marqué, ouais, le truc. Très bien, moi aussi. Alors, je regarde, c'est sur vraiment la carte, pas loin en face, hein, donc faut hésiter à pas... Ah, c'est vrai, facile. Ok, t'es prêt? Ouais. À 3. 1, 2, putain, c'est pas grave. Ok, faut viser, mais viser bien, viser juste, viser propre. T'avances trop, t'arriveras pas à doser, t'as aucune chance. En même temps, c'est le premier arrivé, mais en même temps, t'arrives pas à doser. Regarde ça, précision, j'esquive juste cette espèce de merde là. Et voilà. J'en aurais pas besoin. Tu peux? T'as pas la confirmation? Non. Non, je suis en train de mourir. Merde. attends que je meure, il y a 15 secondes et puis après. En plus, ouais, t'as le. Je suis encastré dans un silo, de toute façon, t'aurais jamais pu venir me sauver. Ah, à part en tirant un missile, je vois difficilement comment on peut te sortir de là. un silo, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Blague de merde. Ok. Tu acceptes? Attends, d'abord je ressuscite. S'il veut bien. Voilà, je suis prêt à accepter. C'est parti! C'est parti! Professeur Genki Super Ethical Fun Time! Professeur Genki Super Ethical Reality Climax! Et aujourd'hui, nous avons Fantai Bob comme candidat! Ils reviennent encore pour plus! À croire que c'est ça qui les fait jouer! Alors attends. Tire. Well, this will be the toughest arena so far for the Saints Capo. More space, more mascots, more traps. It's a beast, all right. Ethical! Bien joué. Dès qu'on a assez d'argent, Fantai, on se barre d'ici.
Bien joué. Hop. Ouh, j'ai récupéré ça, c'est bon ça. Spectacular performance. Ethical. Ok. I see the present, Zach. Very impressive. Ok, on est précis. Il nous manque encore 6000 dollars, Fanta. Faut pas que j'oublie, parce que moi souvent je me fais baiser. C'est qu'on n'a pas les vies infinies, quoi. Enfin, ça remonte pas. Ok, on est bon. Ah, ah putain! This is turning into an exceptional. Okay, here we go. And oh putain. The big guy. I see the present, Zach. Oh, je me suis pris l'auto-leg. C'est pas grave. So, Bob, oh putain. Through the rumor that you used to date the one and only Shandy? Come on, Zach. Don't tell me you've been reading the tabloids again. Oh putain. C'est notre point de départ. Non, mais j'ai l'autre qui me poursuit, le gros. Ah, survie. Ah, non, c'est bon. Là, c'est mort. Ah merde, t'es mort, d'accord. On va rester ensemble. Mais le gros m'a mis deux grosses patates. Ouais, on va rester juste à côté de moi, impossible. On se la refait, on va rester ensemble, ça va bien se passer. C'est censé être le super reality climax. C'est dommage parce que les commentateurs étaient en train de trasher Sean D. De dire comme quoi l'un des deux commentateurs n'est pas passé sur Sean D et que c'est quelque chose que pas tous les hommes peuvent prétendre. Bah écoute, si elle est sexuellement libérée, si ça l'abuse, voilà. Tant qu'elle porte de la protection, rappelez-vous les enfants, toujours de la protection. Ça consiste aussi à ne pas coucher avec n'importe qui. Ouais, aussi, ouais. Bon. Hop. Ah, the bonus targets are sure taking some hits. Le mec essaie de se justifier. Et si vous devez coucher avec n'importe qui, bah, portez la protection. Il y avait de la vie un peu plus tôt, Fanta, si jamais t'en avais besoin. Non, ça va. Moi, je me suis pas encore fait toucher. Hein. Donc, je vais peut-être passer devant. Ethical! J'aime quand ils disent Ethical. Ethical! Ok. This is turning into an exceptional match. On les déglingue! Ouais, carrément. De la vie! Il y a de la vie là. Tiens. That's what the fans pay to see. They pay to see the fantasy! The ethical fantasy! Oh putain, on a le choix entre les armes, Bob. On a fini, on a plusieurs choix. Moi j'ai un dildo géant. Money shot! Il faut qu'on se magne, on a que 2 minutes 38 cependant. On ne peut pas s'arrêter. Ah, attends, il pourra pas passer cette armure. Il va se faire électrocuter à l'infini. On laisse. Non, il est mort! C'est pas drôle. Oh shot! Faut pas les finir. Si, parce que ils valent de l'argent et on en a besoin de ce pognon. Non, on en a pas besoin, on se casse. Si, il faut, parce qu'on peut pas se casser tant qu'on n'a pas. Et puis si tu vises la tête avec les pistolets, fantastique. Quand ils sont sur ta gueule, c'est fini quoi. Viens, on se casse. Ok. On le finit pas. Oh putain, tu l'as fini, je parie. C'est pas grave. I see the present, Zach. Money shot. Ah, je suis mort. T'es mort. Bah oui, il me fonce dessus. Il y a trois gros. Oh la vache, c'est vachement plus compliqué que ça. Mais le problème, c'est que Fanta, les gros, il nous les envoie par paquet de 7 après. On doit les buter. On peut pas les laisser comme ça ou autre. Il nous en envoie quand même. Ça devient des ennemis réguliers. Le truc, c'est qu'il faut absolument prendre les petits pistolets, perce armure et viser la tête. Et si t'arrives à leur caler 5 ou 6, ça suffit pour les mettre à genoux et les buter. Et ils valent 500$. Si on en bute 4, on passe le niveau. Enfin bref. Et on recommence et on fait ça demain. Ouais, enfin, demain, dans 2 minutes. Bon. Tout à fait. On a absolument rien à péter. Bon, c'est pas grave. Gros, à demain. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou.